Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui une autre vidéo sur e-marketing pour te montrer l'erreur que j'ai faite au tout début quand je ne connaissais pas e-marketing et que je me suis inscrit pour mettre un robot en marche. Donc en fait, moi c'est un lien que j'ai trouvé sur Facebook, hein, tout simplement. Je vois un mec qui parlait de rendement 30%, je lui dis qu'est-ce que c'est ce truc là. J'ai cliqué sur son lien et puis finalement bah voilà, je me suis inscrit pour tester le robot, mais alors sans rien comprendre du tout, hein. Franchement là je partais de zéro. Et puis bah, quand je suis arrivé sur la page d'identification, enfin de création de compte, finalement bah, j'ai décidé de me créer avec Google. Je me suis dit bah tiens bah, c'est plus pratique de le faire comme ça. Donc j'ai cliqué sur Google ici, et puis j'ai choisi le compte sur lequel je voulais m'inscrire. Et j'ai pris le chèque cadeau de 50$. Donc l'erreur en fait, bah, c'est de m'être inscrit par Google, puisque quand tu t'inscris par là, si jamais par la suite tu parraines quelqu'un, bah, tu obtiens le bonus e-marketing sur les investissements de tes filleuls, les 5%, mais par contre tu n'as pas la gestion de l'équipe que tu as avec INB Network et avec les bonus et les primes. Donc, du coup bah, c'est un peu dommage, mais bon, moi c'était même pas la question que je me posais, hein. Moi quand je me suis inscrit, voilà, j'ai fait tourner les 50$. Bon bah ça, tu vois, c'est au mois de novembre, donc mon robot bah, il a commencé à travailler le 8 novembre. Et puis bah il a fini de consommer le 24 novembre, donc en 2 semaines en gros, il a consommé les 50$ et il a généré 77$ de cashback. Donc comme après bah, j'ai remboursé le chèque cadeau de 50$, parce que bon, on dit que c'est un chèque cadeau, mais c'est qu'une avance hein, que e-marketing te fait, à un moment faut que tu le rembourses quand même. Donc du coup j'ai remboursé les 50$, donc il me reste dans le cashback 27$ que je ne peux pas utiliser, puisque bon, maintenant je connais mieux le principe, hein. Et comme j'ai utilisé le chèque cadeau, le premier transfert ou première récupération de cashback ne peut se faire qu'à partir de 100$. Donc là j'ai 27$ mais qui servent à rien. Bon, je comprends cette barrière de 100$, parce que sinon bah, tu lancerais 10 robots avec le coupon de 50$, après tu rembourses et puis tu récupères entre 20 et 30$ que le robot va te générer. Et puis tu te récupères 10 fois ça, tu te fais 300$ tranquille, sans avoir mis 1€. Alors que là, en te mettant 100€ comme limite de retrait pour le premier retrait, bah, ça t'oblige à remettre de l'argent dedans si tu veux récupérer. Donc en fait là bah, c'est ce que je vais faire, parce que je me dis bah, j'ai 27$ là, c'est dommage. Bon, maintenant j'ai lancé mon robot avec INB Network, donc un autre robot qui lui tourne, si tu as vu la vidéo précédente, voilà, avec un budget de 300$ que moi j'ai mis, plus les 50$ du chèque cadeau, plus 27$ de bonus, parce que les 300$ je les ai chargés avec Payeer. Voilà, j'ai mon robot là qui tourne avec 377$, qui a dépassé les 500$ de cashback en un mois. Bon, voilà, c'est en train de mouliner de l'autre côté, mais je me dis c'est dommage de perdre ici. Donc là, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais charger un petit budget pub, je vais mettre 50$, et puis comme ça, ça va retomber dans la balance des annonces, dans quelques jours, il va se remettre à bosser, 50$, si il me refait la même chose, donc je vais revenir avec 77$ encore, plus les 27$ qui sont déjà en compte, 77, voilà, 97, 104. Bon, il faut espérer qu'il fasse le même rendement. S'il fait un peu moins, bah, je serai obligé d'en remettre un peu au pot. Mais là, je vais mettre 50$. Parce que là, il y a bonus encore 9% payé jusqu'au 1er juin. Donc du coup, ça va me faire 54$ quelques. Bon, je me dis que ça peut se tenter. Et puis, une fois que, comme ça, j'aurai dépassé... Donc ça va prendre du temps, forcément, parce que là, il va prendre encore à peu près 2 semaines pour consommer le budget pub. Et puis après, bah, il faudra le temps que le cashback rentre. Donc ça va encore prendre peut-être 2 mois, ou un peu plus. Mais, on va se dire, dans 3 mois, allez, il sera arrivé au bout. J'aurai mes 100$ ici, et un peu plus. Ben, ce que je ferai après, c'est que je ferai un transfert de ce robot-là vers mon autre robot, éventuellement. Soit je les retire,
Ou sinon, bah, je ferai un transfert vers l'autre robot, et comme ça, je viendrai réalimenter mon budget pub de l'autre robot avec ce budget-là. Donc voilà, c'est histoire de ne pas perdre les 27$, là, parce que bah, je trouve ça dommage. Donc du coup, pour faire ça, bah, je vais aller sur compléter. Donc, le moyen de paiement, bah, je vais prendre payer. Je vais mettre 50$. Tac tac tac, ok, si je fais le payment option. Alors, en USD. Donc ça va me faire 50$48. Oui, parce que en fait, payer prend. Enfin, il y a 0,5% ouais, de frais. Voilà, ça me renvoie sur mon payer. Donc là j'ai 235$ en banque. Je confirme le paiement, ça me ramène sur e-marketing, et voilà, j'ai 54,50$ ici en balance, donc ça devrait mettre 48 heures pour que le robot se mette en route, et puis bah, après il va faire son œuvre. Donc voilà, donc je referai une vidéo bah, quand ce sera arrivé au bout, hein, peut-être une première rapide pour voir les 54$ combien ça aura généré. Et puis après, quand ce sera arrivé au bout, vous faire le transfert vers l'autre robot. Voilà, donc n'hésite pas à cliquer sur le bouton d'abonnement, à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifs et suivre l'aventure, la fin de vie, on va dire, de ce robot-là et l'aventure de l'autre robot qui a très bien démarré. Voilà, je t'en remercie et je te dis à bientôt.